Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment je dessine l'oreille de lapin. J'ai déjà posé quelques couleurs ici, alors je vais vous montrer cette couleur. C'était la cannelle. Puis un peu de jaune de cadmium, 107, je vais lisser avec le titan buff. J'ai posé une couche très subtile de blé de smalt et une vraiment subtile couche de la couleur chair foncée. Et puis j'ai cartographié des veines qui se trouvent sur la surface de cette oreille. Il y a une structure, quelle forme. Je l'ai posé avec le capimortem violet. J'ai commencé à travailler sur la fourrure de cette oreille au long de la bordure. Et maintenant, je pose une couche de titane buff pour lisser. Sur le film de dessin, nous pouvons lisser juste un peu. Un peu plus de... Peut-être je peux utiliser l'autre mer. Juste un peu parce que cette oreille, l'intérieur de cette oreille est plutôt rose et rouge que bleu ou violet. Nous devons montrer que cette oreille a une forme d'un creux. Alors, vous pouvez utiliser une des photos qui se trouvent sur l'Internet pour, si ce n'est pas aussi évident pour vous, pour comparer des photos d'autres lapins. Et pour ça, je vais utiliser les capimortem.
Je prends l'ocre brûlé. De la sépia, c'est trop sombre, je vais effacer un peu. Mais pas trop parce que j'ai déjà posé les poils avec le stylo lame. Alors j'utilise la sépia autour de ces petits poils plus clairs que j'avais poser. C'est bien compliqué cet endroit. Et aussi, les zones sombres des poils montrent la forme de la tête qui est ronde. Les petits poils dans le coin de cette oreille, j'utilise le stylo lame, je tourne le stylo lame
Et je l'utilise en faisant des mouvements dans à gauche et à droite. Mais très très doucement parce que si je tourne le stylo là, ça va travailler avec puissance. Je prends la sépia. Maintenant, je travaille avec les stylos lames de l'autre côté. Les capymortons violets. Et l'antico français.
Je prends le beige de Pablo. Un peu de noir. Sépia. Pour marquer cet endroit. Le plus sombre de toute cette oreille. Je prends le stylo lame. Et la gomme tombe monocéro. Je prends la cannelle. Et l'ocre brûlé. Thank you.
Je prends les chairs claires, 5%. J'utilise la cannelle. Et le brun noir.
Je stampe. Je pense qu'il y a beaucoup plus de roses. Bon. Je prends le cher clair 5% luminance. Et puis, cher français, cent trente. Le gris froid 6, le noir.
Je toujours travaille avec le noir. L'ocre brûlé. J'utilise plus de capimortant violet.
Maintenant, une couche très très subtile de capi-mortant. Pour intensifier les veines. Je fais des mouvements comme ça. Ce sont des courbes, pas les lignes droites. Cette partie de l'oreille, dans cette partie, il y a un petit poil de la fourrure. Je prends la sépia.
Je prends le beige. Le bleu des smalts. Un peu de noir.
C'est l'autre mer. Les griffes rois 3. J'utilise le bleu de smalt. Pour le pain, j'utilise un peu de sépia 50%. En faisant des petits cercles. J'utilise la sépia 50% pour les petits poils qui se trouvent ici.
Le Gabi Morton. Je vois un peu de violet entre ce petit poil de ce côté. J'utilise le stylo lame pour minimaliser des espaces. Et maintenant, j'utilise le Capi Morton violet. Juste en touchant le papier, le film, on peut essayer de poser vos crayons sur votre main, et puis si la peau se plie comme ça, votre pression est trop forte, alors il faut utiliser le crayon avec la pression minimale. C'est la couleur cher foncé 4% luminance. J'utilise ces crayons en posant le crayon en posant le crayon sur le film dans une position semi-horizontale, je peux dire. Pas comme ça, mais plutôt comme ça. Parce que ces points ici sont presque invisibles.
Cette oreille est finie. Et je vais travailler sur l'autre oreille. Mais la vidéo est finie. Je laisse ça et je suis contente de ça. Et cette oreille et cette partie, je vais montrer et laisser sur mon Instagram. Et je vous invite à vous joindre à moi dans une partie des vidéos où je vais vous montrer comment j'utilise le stylo lame pour dessiner les petits poils de ces lapins. Merci beaucoup pour votre attention. Salut!